Aujourd'hui, c'est une vidéo avec ma fille, Tiziana, qui va encore se prendre des fous rires comme chaque fois qu'elle est gênée. Ça commence bien. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une vidéo j'aime ou j'aime pas sur différents plans d'intérieur. Donc si vous me voyez regarder là, c'est parce que j'ai l'ordinateur et on va citer des plantes. Je vous mettrai une photo, on est deux, donc je ne sais pas trop où, on verra. Mais je vous mettrai une photo, sinon quelques secondes en plein écran pour que vous voyez de quelle plante on parle si jamais vous ne la connaissez pas. Bien évidemment, on ne va pas beaucoup parler des plantes que j'ai déjà à la maison parce que forcément, je vais dire j'aime à toutes les plantes puisque si je les ai à la maison, c'est que je les aime forcément. Heureusement, j'ai envie de dire. Oui, voilà, heureusement, parce qu'acheter des plantes qu'on n'aime pas, c'est pas top. Donc on va commencer avec la ZZ plante, donc le Zamioculcus zamifolia, il est dur à dire celui-là. Vas-y, je te laisse dire, t'as la plante juste là, si tu aimes bien ou pas. Ça passe. Ça passe. Non, c'est j'aime ou j'aime pas, il n'y a pas de oui, c'est au milieu. Oh, tu vois, j'aime pas, c'est pas ce que j'achèterais. Moi j'aime bien, voilà, c'est une plante que j'apprécie. Après, je préfère la variété noire, parce qu'il y en a une, là tu vois la verte, toi. Il y en a une qui est noire, donc je préfère celle-là, mais sinon j'aime. Les sansévières, alors il y a celle-là et il y a les Mikado aussi, ça t'as déjà vu? Normalement t'aimes bien. Les cylindres là, enfin les... Les genres de Bouddha, oui, un plan de Bouddha. On est très doux pour apporter des mots. Ah oui, très doux. Donc toi, Moi j'aime bien. Moi aussi, j'aime assez bien ces plantes-là. Je m'étais dit même que ce serait peut-être sympa sur le bureau. Alors, Ficus lyrata, là pour le coup. J'aime bien. T'aimes bien. C'est quoi que t'aimes bien du coup sur cette plante-là? Les feuilles et le tronc d'arbre. Oui, moi aussi. Mais non, c'est vrai, ça fait un tronc, t'as raison. Ça fait vraiment comme un petit arbre. Et moi aussi, j'adore le ficus lyrata. J'aimerais bien en avoir un, mais c'est juste que je ne sais pas trop où je le mettrais. Je pensais peut-être dans la cuisine, mais il y a plus de place. Ouais, il y a toujours mal. Papa, il ne voudra pas. Oui, mais si elle est déjà là, il n'a pas le choix. Celle-là, je l'ai à la maison. Celle-là, je ne l'ai pas. Donc, ça, c'est les Calathea. Et celle-là, c'est la Calathea orbifolia. Moi, j'aime bien. Elle est belle. Oui, c'est vrai que celle-là, elle est belle. J'aime bien avoir aussi comme ça à cultiver. Vous savez bien, moi, les Calathea, on est fâchés parce que ça ne va pas ici à la maison. Il fait beaucoup trop sec pour ces plantes-là. Donc forcément, voilà. Mais peut-être que je retenterai l'expérience avec un pot à réserve d'eau ou alors en hydroculture, ça me tente plutôt pas mal. Mais voilà, au niveau visu, c'est une plante que j'aime bien aussi, la Calathea orbifolia. Pachyra. J'achèterai pas. T'achèterais pas? Moi j'aime bien. On en a eu un. Toi t'étais... Non, t'étais pas encore née. On en a eu un dans notre premier appartement. Avec monsieur assistant, et c'est d'ailleurs, je reparlais dans une vidéo. C'est quand on avait nos petits furets, tequila qu'il avait foutu en l'air. Pour les furets. Oui, c'est bien tequila. C'est bien ça. Non, je ne l'ai plus. J'en ai plus. Donc, ça, c'est un palmier lutescens, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom exact, mais c'est à peu près ce nom-là. Moi j'aime bien, je valide. Tu valides? Oui. Moi aussi, je valide. Ça fait été. Ça fait été, ça fait tropique. Ça j'ai pas non plus, ça c'est un beau carnia. C'est moche. Je t'ai
Voilà, ma fille, Lyon, droite au but, c'est bon. On lui fait des cheveux, Amélie, moi, comme moi le matin avec mes cheveux. Comme toi le matin. Ah, ouais. Bah, moi, j'aime bien cette boîte-là. Je trouve qu'elle est originale. J'aime bien le tronc. Et ça fait, on l'appelle aussi le pied d'éléphant parce que le tronc en bas, ça fait vraiment une grosse boule et ça fait comme un pied d'éléphant en fait. C'est encore plus moche. Moi, j'aime bien. Un anthurium, les classiques qui font des spats et tout ça. Moi, j'aime bien. Alors, moi, je les trouve jolies. Mais je vous en ai parlé justement dans ma précédente vidéo. C'est pas une plante que j'achèterais, sauf celui avec les spates presque noires. T'as trop de plantes. Ça, c'est la Célébrina. Oui. Ta plante préférée. Oui. Ça, qui est plus trop en forme, mais ça, j'en ai une. Elle est là. Ah. Petite. C'était un peu profitable. Ça. Ça, je n'ai pas. C'est une fougère. Je ne sais plus le nom. Je vous le remettrai juste là parce que j'ai oublié. Waouh, j'aime bien. Moi aussi, c'est une fougère que j'aime plutôt bien aussi. Je trouve que c'est un peu aérea comme plante. Aérea? Léger quoi, très. Ah oui, oui. Ça je l'ai pas, c'est l'aloe vera. C'est moche. On est d'accord que la plante elle est pas top. On adore le gel d'aloe vera. Oui. Bah, en fait, on pourrait l'acheter pour faire nos soins, mais pas par déco. Mais il faut que déjà qu'on arrive à la faire survivre aussi. Parce que c'est une plante grasse. Et c'est bien, moi, une plante grasse. Hein. Moi, c'est juste que je ne nourris pas. Donc, oui. Ça peut être la torture. Ça, t'as pas. Non, j'ai pas. Caladium. Vous avez beaucoup aimé ça. J'ai dit, j'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup. Moi aussi j'aime bien les caladiums. Chaque année je me dis je vais m'y mettre, je vais acheter les tubercules et puis je passe toujours le temps et après il n'y en a plus. Ou alors si, déjà en plante, mais pas ceux que moi je cherche. La glaonema. Moi j'aime beaucoup. Moi aussi, c'est les plantes que j'aime bien. Il y en a avec du rose et tout ça aussi, qui sont très jolies. Un peu plus que rouge. Ça t'a pas. Non. Namarilis. J'aime beaucoup aussi. Ma mère, elle a... Ma mère, elle a plus de plantes que toi, c'est pas ma question. Oui, elle m'a dépassée. Mais... C'est ma maman. Ça, je n'ai pas non plus, c'est un... Alors, je ne sais plus le nom, Lata, mais c'est un palmier d'Hawaï, on dit, un palmier hawaïen. J'aime beaucoup, beaucoup. Moi aussi, j'aime vraiment beaucoup et les petites fleurs sont juste trop mignonnes. Ça, t'as pas. Ça, là, j'ai pas. C'est un asparagus, celui-là, mais c'est pas le même que moi j'ai là, c'est un autre. J'aime pas. Moi non plus, je n'aime pas celui-là. Sinon, les asparagus, j'aime bien. Pas celui que tu as montré, mais parce que du coup, je ne sais pas si je pourrais vous mettre la photo exacte de cet asparagus-là. Donc, je précise, on va englober. J'aime bien les asparagus. Je l'ai... Non, celui-là, on l'a pas fait. C'est un crassula. Je ne sais plus lequel. Je ne suis pas fan. Ça fait comme je l'aime. Medinilla magnifica. D'accord, pas bien son nom. T'aimes pas? Non. Non, j'aime bien moi. Pourquoi elle tombe les fleurs, on dirait qu'elles sont malades. C'est comme ça, c'est les fleurs qui. elle n'est pas handicapée, la plante, elle est belle. Prochaine plante, un Schaeffera. Alors là, c'est le. Je dis variegata, moi, c'est celui qui est taché de jaune, c'est pas le tout vert. Moi, j'aime beaucoup. T'aimes bien toi? Moi, je suis moyennement fan. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit, on peut pas dire moyen, j'aime ou j'aime pas. Du coup, je vais dire j'aime pas. C'est plus vers le j'aime pas que le j'aime. Alors ça, c'est un bégonia, mais j'ai oublié le nom. Voilà, c'est le bégonia ferox, donc c'est celui avec tous les petits pics. Moi, j'aime pas du tout cette plante. Franchement, je ne sais pas comment penser. Je sais pas que tu l'as en plein milieu de la table familiale quand les gens viennent manger chez toi. Ah oui, ça c'est sûr, ça attire l'œil. On peut pas le louper, quoi. Ça pique pas vraiment. Enfin, je crois. T'aimes bien ou t'aimes pas? Non. Moi non plus. En fait, je sais pas. J'aime bien en même temps. Je trouve ça assez spécial. Si t'aimes bien, t'aimes bien. C'est bof, en fait. En fait, c'est j'aime pas de bof. Si tu dis ça à une personne indécise. Oui, je sais. En fait, le problème, c'est que la plante en soi, elle est pas forcément belle. Elle est laide, mais. C'est spécial, du coup c'est bien.
Elle est belle d'athlète, quoi. Voilà. Allez, une dernière. On va faire au poup-poup. Ah oui, celui-là. D'accord, ça ressemble à des petits culs. Déjà, ils achètent ça. Oui, ça ressemble à des petits culs. On est d'accord, c'est des lit tops. Ça s'appelle des plots de cailloux. Mais moi, j'appelle ça des petits culs. Il y a des bonbons. Bah, c'est des bonbons anus. Nos auditeurs, je ne sais pas si vous le connaissez, il est incroyable. Il avait goûté des bonbons. C'est, on dirait vraiment des bonbons anus. Bah oui, c'est comme les pralines. Il y a des pralines anus maintenant. Mais la discussion. T'as une fleur qui sort du centre. Les tops fleuries. J'ai l'impression d'être toujours aussi une patrick atonique. Après, je comprends que ça peut plaire parce qu'il y en a des couleurs différentes. Que c'est original, comme tu disais. Ben oui. Bon, du coup, t'aimes pas. Non, j'aime pas. Et moi non plus, je n'aime pas. Mais les fleurs sont mignonnes. Même pas, les fleurs, c'est si. Des mains. Regarde, pourquoi ben, ta fleur, comme... elle a ça. Mais parce que c'est, elle s'ouvre après au corps, elle n'est pas tout à fait ouverte. C'est mignon, c'est pas grave. Du coup, on a fini avec cette séquence j'aime et j'aime pas pour les plantes d'intérieur. On espère que ça vous aura plu. Nous, bah voilà, on a bien rigolé. On espère que vous aurez passé un bon petit moment avec nous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous, vous aimez ou vous n'aimez pas ces différentes plantes-là. Voilà, c'est ça. Toujours sympa d'avoir les réponses de tout le monde. C'est ça le partage. Voilà, c'est on partage un petit peu ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas chacun. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Voilà, pas pouce bleu. Mais un pouce rouge, il n'est pas rouge le pouce. Mais quand il est comme ça, j'appelle ça pouce rouge. Bon, en gros, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la petite cloche, très important. Comme elle a dit, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mais toujours, qu'est-ce que je dis toujours, si le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît, bien évidemment. Moi, je vous fais plein de bisous green, on vous fait plein de bisous green et moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao, ciao.